la sourate, les femmes. Il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez consommé le mariage. Autrement dit, il est légal pour un homme absent de son foyer pour de longues périodes de contracter un mariage de plaisir, de jouissance, de bien-être, qui garantit à la femme une dot et le respect de celui qui l'a épousée. Et Dieu a institué cela pour lutter contre la prostitution. Il est vrai que le mariage de plaisir contracté hors du foyer conjugal pour une période donnée a un parfum intérieur. Il peut exciter les bas instincts. Il ne doit cependant en aucun cas être compris comme un encouragement à humilier la femme légitime, laissée à la maison, ou maltraiter celle avec laquelle vous concevez un mariage pour quelque temps. De retour à la maison, Amir réunit de nouveau ses quatre enfants, Mohamed, l'aîné, Aziz, Fatiha et Karim, et il leur exposa plus précisément son projet. Comme je vous l'ai annoncé l'autre jour, j'ai décidé d'épouser Nabou. La jeune femme qui est venue avec moi d'Afrique, c'est une personne bonne qui me rend heureux. En aucun cas, ce mariage n'a été décidé pour faire du mal à notre mère. Notre religion est ainsi, je ne peux pas vivre péché. J'ai déjà contracté avec cette femme un mariage temporaire. Aujourd'hui, elle vit chez nous. Et je ferai d'elle ma deuxième épouse, selon la loi et la sunna de notre prophète. J'étais très heureux d'être là, dans la médina de Fès, la vieille médina, là où je suis né, pour écouter mon acteur et les musiciens faire un spectacle à partir de mon dernier roman, Le mariage de plaisir, Jawaz de Mouta. Et je suis venu dans le cadre de la musique sacrée et surtout de la thématique de l'eau qui est très présente dans beaucoup de mes livres, notamment la fiancée de l'eau, au Hagouda. Donc c'est tout à fait dans la logique des choses que je sois là pour célébrer effectivement l'eau précieuse, très précieuse, et puis pour célébrer Fès, qui est ma ville natale que j'aime toujours et que j'aimerais voir encore de plus en plus belle.